l'influenceur pénitentiaire. Tu t'es regardé d'abord, tu as regardé à mon frère. Tu vois, Frère Biya peut te baiser. Frère Biya peut coucher avec toi. Hein? Et il m'a envoyé la bague de fiançailles. Il t'a envoyé la bague de fiançailles. Hein? Il faut aller où? Tu ne seras jamais étudié. On te joue comme un pion. Voilà tes beaux parents qui sont ici. Tu es allé les voir. Hein? Tu es venu ici parce que tu avais besoin de compagnie. Et tu as fait quoi ici? Quelle cuisine? Hein? Quelle cuisine que tu as fait? N'importe quoi. Tu sais, j'ai tellement pitié de toi que même la pitiation finit. Tu entends, non? Tu veux te faire voir. Je ne sais pas comment je vais me commencer pour t'insulter. Hmm? La lécheuse Marie-Christine Mobozone. Une lécheuse comme toi. Une femme qui est malade, bipolaire. Tu parles à qui? Je t'ai envoyé les messages parce que c'est comme ça que moi je suis. Quand je suis énervé, je t'envoie les messages et tout. Tu m'en fais quoi? Elle rêve d'aller étudier, elle va épouser Frank Biya. Ah, ils ont fait un contrat de 25 milliards et tout ça. J'ai dit que tu rêves de Frank Biya. Hein? Tu as vu ton âge? Ah, et maman, il faut que je fume un peu. Que quoi? Moi j'envoie les messages très durs. Même à cuisine où tu veux, tu es venu rester, c'est combien de temps? Tu n'as pas fait la pute ici? Quand tu es venu faire la pute ici, j'ai parlé aux gens. Tu parles à qui? Ma, tu parles à qui? Tu veux que je dise ce qui s'est passé ici? Qui c'est que j'étais ici? C'est tu comme ce que venait, tu veux, vous voyez, après vous met dans les réseaux sociaux. Tu veux, regarde la vieille mère là, la vieille folle. Hmm? Quand tu viens vociférer ici, tu vas pourquoi parler ici, tu ne sais pas. Là, on doit avoir la bague de fiançailles en méta. Comment on appelle ça? À WhatsApp. Mais il dit un canon. Il n'est pas venu. Tu es pas là comme nous supporter Madame Moudjouki. Chienne. Tu ne seras jamais étudié. Jamais. Mais comment c'est si tu parles à qui? Mais viens casser, non? Comme si tu devais payer, viens casser. Essaye. C'est vraiment une chienne comme ça. Voilà les grands-mères là. Que vous les voyez là. Dès que moi je suis une personne, dès que je parle avec quelqu'un, on vient seulement parler que oh là vous. Maman, je n'ai pas peur de toi. Tu ne seras jamais premier dans mon Cameroun. Jamais. Tu es dans mon apologie. Tes médicaments que tu bois là, n'est-ce pas? Que quoi? Okay. Tu parles à qui? Tu vas rêver la bague qu'on t'a donnée là-bas. Que Frank Biya t'a pas. Comme quoi, Frank Biya t'a donné la bague. Je ne peux pas trop t'insulter, tu sais pourquoi? Hein? Parce que ça s'est passé à WhatsApp. Et toi, tu viens mettre ça à Facebook parce que tu crois que tu es comme ça. Regarde qui, avec qui tu as fait. Mais tu es minable, j'ai peur de toi. Tu ne seras jamais la femme de Frank Biya. Il m'a envoyé la bague de fiançailles. Les cœurs. Tu sais ce que c'est lui qui pose. J'ai dit que, n'essaie même pas avec moi. Fais ce que tu ne seras jamais étudié. Jamais. Tu as baisé avec lui. Hmm? Tu vois qui est ce mec là pour moi? On me dit hein? Tu es balade. Tu me connais moi? Je te vois te connaître ici à la maison. Quand on te voit, il peut être une malade mentale. Tu vas fantasmer sur lui toute ta vie. Il ne baisera jamais avec toi. Tu me connais, demande-lui. Regarde-moi. Mélédie, demande-lui. Bâtard devant. Moi, je n'ai pas envie de trop parler de choses. Regarde-moi celle-ci. Et j'ai horreur de ce genre de personnes que
vous parlez, vous vous chamaillez dans les, dans WhatsApp, et tu viens mettre à Facebook, je n'ai pas peur de toi. Chez moi ici, c'est toi qui ouvre vos gueules, c'est vous qui ouvrez vos gueules. Qui savait que tu étais ici? Personne. Qui savait que tu étais ici? Vraiment, celle-ci. Tu es une femme, toi. Non, ton mari est mort, tu sais, il t'a de 10 000 euros. Maman, seulement 10 000 euros. Il te dit que hein? Tu as cherché. Franck Billard ne t'épousera jamais. Oui. Moi, je connais son pénis. Toi, tu ne connaîtras jamais son pénis. Parce qu'avec moi, vous parlez trop fort ici. Quoi? Regarde-toi. Il faut fabriquer les gens qui vont supporter Fabia. Il faut fabriquer. On va voir ça. Est-ce que moi, je josse avec toi? Tu veux qu'on arrive là? On connaît. Ne me regardez pas comme ça. Mary Jane. Demande-lui. Il ne voulait pas te dire ça quand tu étais ici. Il y a combien d'années? Hein? Tu connais? Vraiment, c'est une petite, une grosse lesbienne. Hein? Tu parles à qui à moi? Ah. Ma part vient toujours comme ça, oh. Tu es malade, hein? Tu as finalement Malène Boutou. Hein? Malène Boutou. Hein? Fleur de Lille. Lolo. Les autres là. Tout le monde n'est rien. Parce que, même si tu deviens la première dame, hein? Dans tes rêves. Tu entends, non? Dans tes rêves. Tu en fais quoi? Regarde-moi celle-ci. Regarde-moi une chienne, une grosse vache. Avec les grosses mamans. Je t'ai filmé ici chez moi, hein. Je t'ai filmé, hein. Mbap, je parle à qui? Donc, vous voyez alors les tout. Maman. Depuis que Fabien est venu ici, là. Avec toutes les belles filles noires, là, qui sont au pays, là, les filles métisses et tout ça. On va venir prendre une vieille chouette comme toi. Tu es persuadé d'être là, le géré de Fabien. Allez-y. Que ça m'a foutu. Il ne peut jamais t'épouser, ne t'épousera jamais. La bague qu'on a envoyée là, c'est pour que tu continues à faire sa publicité, c'est tout. Pétasse. Coupez ça, vous amène là-bas. Fais quoi? La qui? Chouagne. Tu veux qu'on sorte tout ce qu'on s'est dit ici? Qui savait que tu connaissais ma maison? Qui savait que tu es venu ici plusieurs fois, trois fois ici? Qui savait? Moi, je regardais toujours comme ça. Mais c'est toujours qui m'a mis sur la Facebook. Hein? Moi, je connais son pénis, hein? Eh oui. Mais j'ai 1994, oui. Demande-lui. Il avait une grosse voiture comme ça, avec son ami, métisse ou quoi. Maman, quand il y avait encore... Et ne prenez pas les poches, je connais ça parce que c'est. Tu sais. Tu sais, ma. Moi, je me préoccupe, hein. Ah. Ou. J'ai choisi. Tu choisis quoi? Moi, j'ai sucé son pénis. Il a un long pénis. Enfin bien. Comme les longs pénis. Oui. J'ai mangé 500 000 que j'ai eu au Méridien. Tu entends? Tu as appris mon histoire, non? Regarde-moi une chienne comme ça. Tu rêves même de le toucher. Tu ne toucheras jamais, enfin, il ne va jamais t'épouser. Jamais.
mets mon nom dans la liste des gens qui sont, comme tu seras première dame au Cameroun, mets mon nom. Tu ne seras jamais première dame. Il joue de toi. Tu es qui, tu reposes à quoi? Tu as vu ton corps là. Ton corps est comme le couscous manioc. C'est que c'est, maman, à qui tu parles? Pour l'instant, je me tais. Mais faut te dire que hein, je suis ce Fambia. Méridien. Abonanto. Tu entends, moi. Demande-lui. J'étais encore jeune, belle. Le Yami. Tu rêves là où moi je suis passé. Tu rêves là où je suis passé. Tu entends? Bimbèche, vieille folle. Je ne peux même pas te respecter. Qui peut te respecter? Moi j'attends mon héritage et toi alors? Tu attends quoi? Hein? Tu as pris un clochard. Il est mort. Sans mariage. Oh, mon fils, il a reconnu mon fils. Oh, quoi. Le mensonge, écoute-moi très bien. L'influence, le plénipotentiaire. Je veux tout dire. Comment tu as lavé tous ces fils-là? Marie, qu'est-ce que c'est? Tu penses que pas. Tu penses que tu peux faire ta fille d'influence? Tu es qui? Tu n'es rien, tu ne vaux rien. N'est-ce pas, ça va aller au Cameroun, on va arrêter Ngossa. On l'a arrêté Ngossa au pays. On l'a arrêté. La honte peut te tuer. Hey, je connais tout le monde au Cameroun. Il y a son nom, le nom de Ngossa là-bas, n'importe quoi. Là, on arrive, on l'arrête. J'avais confiance à toi. Ngossa est parti, que le Cameroun est revenu. Tu es qui? Hein? Tu cherches les vues. Il faut couper ça. Tu marques fou. Tu as dormi chez moi combien de temps? Combien de clients t'ont baisé ici chez moi? Tu as travaillé ici chez moi combien de temps? Les clients, c'est le plénipotentiaire. Il faut te calmer. Hein? Calme-toi. Vieille folle. Le pénis que tu rêves de sucer, moi je l'ai sucé. Demande-lui. Emmanuel Frambia. Tu entends, non? Eh oui. Et je vais continuer à les sucer. Tu as vu? Ta jolie femme. Regarde, une salope, tu connais. Tu connais mes choses? Hey! Je dis que je m'arrête là avec toi. Je m'arrête là avec toi parce que. Maman, avec toutes les belles femmes, les petits métis qui sont au pays, ils adorent les métis, hein. Lui, c'est un carteron, parce que sa mère, la mère des femmes, c'est une métisse. Son père, c'est pour bien. C'est un noir. Donc, elle est carteron, ils adorent quoi. Et tout dit, tu as vu déjà les épouser les noirs. Ils épousent que la couleur jaune. Tu peux pas de ma fille Laetitia. Je dis que vas-y, on l'épouse. Regarde-toi, tu rêves, hein? Quand je vois sa photo comme ça, tu fais comme ça. Tu jouis. Tu me connais, hein? Renseigne-toi très bien qui je suis. En tout cas, comme je n'ai pas suivi tout ce que tu as dit, tu vas mettre les voix. N'est-ce pas? Et alors? Il faut m'insulter. Tu avais filmé ici quand tu partais, non? Je sais que j'avais filmé, j'ai vu. Tu as filmé. Pour envoyer qui? À qui? Pour l'instant, je ne parle pas son nom parce que pour l'instant, il y a les deux. Si tu veux la guerre entre toi et moi, on va faire la guerre là. Tu ne seras jamais la femme de Fambia. Jamais. Ne rêve même pas. Tu es bipolaire. Hein? Guylaine Chapinon, Fleur de Lis, tout le monde est nerveux devant toi. Tu es quoi?
entre avoir une bague virtuelle, une bague de fiançailles virtuelle, et tu es content. Mais attends, mais Trump, il était là dernièrement. Il t'a pas vu? Il t'a pas vu? Moi, je veux pas aller loin avec toi. Mais c'est moi qui te dis que. Ferme ta gueule. Tu rêves de le toucher. Tu rêves d'être avec lui depuis des années, depuis que tu es jeune. Tu rêves. Mais moi, j'ai sucé, Franck. Abîme-t'es. T'entends? Voilà. Ta première dame. Tu peux aller étudier. Tu sais, moi, j'ai un truc, c'est que. Quand vous arrivez chez moi, vous ouvrez vos gueules, vous parlez, vous dites tout, vous sortez, tout. Mais moi, je ne parle pas, je vous écoute. Là, c'est encore l'assaisonnement. Là, on met encore le sel. Quand je veux mettre le cube magie, c'est là que tu vas comprendre qui je suis. Tu entends, non? En tout cas, tu es bon, ça reste là. Tu es minable. Oui, minable. Ta famille. Va mettre chez famille. Elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Ngoza est parti, elle est revenue. Non, tu as fait quoi? Oh, moi je te dis, hein, quand Ngoza va arriver au pays, on l'arrête. Ah, elle est partie, elle est revenue. Hein? On n'a pas vu qu'on a arrêté Ngoza. Hein? Hein? Comme Ngoza, elle, elle a quand même pu partir et étudier. D'où tu vois, tu l'insultes chaque jour que tu as créé. N'est-ce pas? Attends. Moi, je suis au Canada. Filme ma maison, tu mets. Je veux te laver, prof. Je veux dire des choses que hein, les gens ne savent pas sur toi. Je veux dire tout. Tu es venu sur trois fois. N'oublie pas ça. En tout cas, mes waros. Regarde-moi. Donc, je te laisse. J'attends. Donc, merci Linda Mori. Ma poufou te remercie. Laisse. Qu'elle se lève. Elle s'assoit. Elle fait un geste sur moi. Elle va comprendre. Elle va sentir dans les côtelettes. La voilà ta chambre ici, non? Là, non. Tu as oublié. Les clients que tu as fait ici. Je t'ai filmé nuit chez moi ici. On est ensemble. Bon, mais voilà wow, l'histoire de scientifique, si, ça me dépasse. Je vous laisse. Elle a dit des choses, mais moi, je ne comprends pas. C'est où? Laissez d'abord. Je vais faire comme je t'avais pas ma sang. Calmez-vous. Oui. Oui. Elle a dit des choses. Sur qui? Laissez, calmez-vous. Je vais chercher la vidéo là. Je ne sais pas où je vais la trouver. Je vais essayer de comprendre ce qu'elle a dit. Je vais vous mettre ça en direct. Je vais la ramasser. Elle va comprendre. Elle ne va pas comprendre là où elle est. Elle va se faire voir. Tu n'épouseras jamais Fambia. Maman, les bagues virtuelles. En tout cas, on est ensemble. Hein. Je m'en vais regarder là où elle a parlé. Je n'arrive pas. Je promets que je n'arrive pas à trouver ces trucs. C'est ça. En tout cas, on est ensemble. Quand je veux revenir, ça veut dire que j'ai trouvé son direct et on va écouter ça ensemble, ce qu'elle a dit. Je m'en vais à la patrouille. Mais l'histoire de Tchédak, hein, femme bien me connaît très bien.